Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo point de croix sur l'avancée de ma toile que j'ai eue en partenariat avec Vip Cross Stitch. Donc la dernière fois on était ici, il me semble. Donc j'ai fait toute la ligne du bas. Et là en fait on se retrouve vraiment ici dans les rênes. Voilà. Donc j'ai remis mon support, j'ai mis droit et on est sur le premier étage du point de croix. Donc qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On pourrait peut-être combler les deux carrés là. Donc on a des ronds et on a des demi-carrés. Alors les ronds. Que je prenne mon plan parce que des fois c'est pas très clair. Les ronds, les ronds, les ronds. Donc là on est ici. Ok. Donc les ronds bleus c'est le 17. Déjà il faut que je prenne mon aiguille. Alors j'espère que vous allez bien. Le 17, hein, c'est ça, oui. C'est ça. Hop. On prend notre fil. Je vais juste mettre un coup de. Tu peux juste me donner la cire, s'il te plaît? Là-bas. Ça et l'autre truc. Merci. Je n'étais pas préparée. Une fois de plus. Ouais, donc. On va avancer ça un petit peu ensemble. Désolée, j'ai l'aiguille dans la bouche. Ouais, on va faire ça. Et du coup, on va avancer un petit peu. Alors, que je ne me trompe pas. Donc ça, c'est la référence 939. Donc, là. Et ça monte jusqu'à là-haut. Donc j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va. J'ai plutôt bien avancé, je trouve. Donc, ouais. Je prends toujours autant de plaisir à travailler sur cette toile, hein. Après, c'est une toile qui me plaisait beaucoup. Donc, c'est pour ça que j'adore travailler dessus. Alors, j'espère que vous n'allez pas trop entendre la machine à laver. En plus, elle est en essorage. Alors, on va déjà couper ça. Hop, voilà. Et là. Elle est vraiment très très belle cette toile. Donc j'ai travaillé un petit peu dessus hier soir. Donc j'ai fait toute la partie ici là. Et alors attendez, là c'est trois traits. Ok, trois ronds. J'ai du mal à trouver mes trous aujourd'hui. Ok. Donc, ouais, je suis plutôt contente. J'avance bien. J'avance tranquillement.
sans aucune pression. Et voilà, voilà. Qu'est-ce qui se passe là? Donc, qu'est-ce que je pourrais vous raconter? Demain, les vlogs reprennent. Donc, vous verrez. Ouais, bah, à l'heure où je vous parle, hein, j'aurais déjà fait ma première vidéo vlog. Enfin, à l'heure où vous verrez la vidéo. Ouais. Là, on entame la deuxième semaine de vacances. Alors, franchement, c'est passé vite. Mais j'ai avancé plutôt bien sur mes petits projets. J'ai aussi avancé sur mon autre toile un petit peu. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Un petit peu de tout. J'ai fait un petit peu de point de croix, un petit peu de diamant painting. Ouais, c'est ça que j'ai fait. Hein. Et voilà. Après, c'était. J'avais pris une petite semaine tranquillement de vacances et franchement, c'était bien cool. Donc ouais, c'était vraiment bien. Donc là, on a encore du rond. Tac. Est-ce qu'on a encore des ronds? Là, on n'en a plus dans le troisième carré. Hein. Non. Donc là, je peux stopper mon fil. Donc cette semaine, je vais vous faire un petit tuto. Qui m'a été demandé. Je vais le faire et aussi alors attendez, je vais juste ranger mon fil là, le 17 hein. Tac. Et là on va juste prendre on va faire les ah là j'ai un petit carré bleu, le petit carré bleu c'est quoi le 24. Le 24. Ouais, je vais sûrement vous faire un tuto. Après, pour ceux que ça intéresse pas, bon, c'est pas si grave. Ça m'a été demandé. Donc, je vais le faire. Et, est-ce que c'est bien ça? Ouais, j'en ai un seul. Ah non, j'en ai deux. Ouais, j'en ai deux. J'en ai un ici. Après, c'est juste, je vais vous montrer plusieurs façons, deux façons de commencer votre fil. Enfin, comment moi je fais. Et quand vous avez un support, comment vous pouvez commencer votre fil aussi.
Donc, c'est ça. Hein. Donc ça, c'est fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Donc là, ça, c'était le 24. Que je ne me trompe pas. Ouais. Donc ensuite, on va faire les petits triangle rouge qui est le 3. Le 3, le 3, le 3. Hop. Ouais. J'ai hâte de voir le résultat final hein, sur la toile, bien évidemment. Hop. Et j'espère que vous vous avancez dans vos petits projets. Moi, j'avance, mais disons que j'avance doucement. Que je ne fais pas ça toute la journée non plus. Je fais d'autres choses encore. Et ah bon, j'avance un petit peu par-ci par-là. Hop, j'ai juste coupé ce petit fil parce qu'il m'embête. Voilà. Ouais. Je sais pas trop quoi vous raconter aujourd'hui. La semaine prochaine, il y a déjà école. Alors, les symboles là, ils sont vraiment bien lisibles hein, sur cette toile. J'ai des fois des difficultés juste avec les ronds et les carrés pleins bleus. Mais autrement, franchement, aucune difficulté. Finir ces petits carrés ensemble. Si j'arrive à trouver le trou. Ok. Ouais, c'est un peu bizarre de passer sur l'étage de dessus parce que je m'étais habituée à en bas, mais au moins j'avance. Donc là, je ne pense pas que je retoucherai, je redescendrai la toile, hein.
Une fois que j'aurai fait la ligne. Je sais pas si je vais pas monter là. Je sais pas. Et ouais, je ne sais pas encore. Donc là, je vais juste continuer mon fil histoire de le terminer à côté. Si vous entendez du bruit, hein, c'est mon fils qui joue. Je ne sais pas si vous avez l'entendre vu que j'ai la porte fermée. Il joue avec mon fifi. Et des fois, vous allez entendre ma fifi aboyer. Hein. C'est parce qu'elle veut son jouet. Et du coup. C'est ça. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? N'hésitez pas, ah oui, aussi. N'hésitez pas à publier vos avancées sur le groupe Facebook. Moi, j'aime bien, j'aime beaucoup regarder vos avancées. Et parfois, ça peut donner des idées aussi, hein, des idées d'achat de toile, même si il faudrait que je me calme un petit peu quand même. Mais ouais, j'aime beaucoup regarder vos toiles. J'ai fait un album spécial hein, vu que cette toile est dans l'événement que j'ai fait avec Nadège. Le thème de Noël. Vous avez toute l'année pour le faire, donc n'hésitez pas. Hein, si vous voulez y participer, hein, vous pouvez. Il n'y a rien à gagner. C'est juste pour le fun. Voilà. C'est vraiment histoire de s'amuser, de partager. Donc, ouais, si vous voulez venir vous joindre à nous, il n'y a pas de souci. Alors, là, on va juste faire les deux derniers. Et après, il faudra que je recharge mon fil sur ma plaquette. Voilà. C'est juste histoire de terminer le fil. Ouais, je sais pas si je vais monter ou si je vais faire toute la ligne. Je ne sais pas encore. Je me tâte. C'est vrai que monter comme ça de 1, 2, 3, 4. Monter, ouais. On verra. Du coup, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme symbole? Bah écoutez, vous savez quoi? On va faire les petits triangles bleus. Et les petits triangles bleus, c'est le numéro 20. Le numéro 20. Il est là. Hop! Ouais.
Donc, on commence à voir un petit peu autre chose sur la toile. Parce qu'avant, on était vraiment tout en bas. Et vraiment, tout en bas, il y a, à part les... Comment on appelle ça? C'est pas du gui, c'est du houx. Et beaucoup de neige, on n'a pas vu grand-chose. Mais là, on commence à voir les petites papates de notre serre. Donc ici, là, on est vraiment sur la zone là. Donc ouais. Commence à se avoir prendre vie la toile et ça c'est trop bien. Ah bah si là j'avais encore des ronds. Bon c'est pas grave, ce sera pour le carré d'après. Sinon. Alors, attendez, je vais couper ce fil là qui m'embête. Hop, voilà. Sinon, je vais faire une. Je vais créer une roue sur mon téléphone avec toutes les toiles que je possède et que je vais sûrement posséder aussi dans les prochains temps sur le point de croix. Comme ça, quand j'aurai fini une toile, un projet. Je fais tourner la roue et ce sera sur ce projet qu'on travaillera. Comme ça, ça m'évite de prendre d'aller sur les mêmes thèmes. Avoir. Et sinon,
avec vous entièrement. Après, c'est à voir. Faut que je me... Et, c'est beaucoup pour ça que je veux pas faire la petite roue. Monter comme ça. En passant, je remercie tous les nouveaux abonnés. Regardez les vidéos. Quand cela... Bonnet. Couleur. Faire la croix, mais voilà. À l'endroit où je vais continuer faire les Ah, c'est table pâle. Et il m'en reste plus beaucoup, donc tant mieux. Et c'est quoi comme référence? 827. Je ne savais même pas que le 827 était très clair, parce que le 825... Non, le 823, il est foncé. C'est un bleu foncé. Donc là, je pense que ça me suffira pour ce que j'ai à faire. Et j'ai juste cette croix à faire. Donc je pense que ça va me suffire.
reprendre un film. Mais je verrai si je monte ou pas. Vous allez voir la surprise la semaine prochaine. Je monte, je continue à côté. Sinon, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je monte hein, ou pas. Ça peut être bien hein, de faire participer un peu. Est-ce que vous voulez que je monte? Je sais même pas si je vais pouvoir faire une croix encore avec ça. Bon, non, on va l'enlever. On va prendre à nouveau. Là, il faut que je coupe aussi. C'est la règle 64, c'est un beige comme ça. Là. Voilà. Ah, dites-moi si vous... Je continue ma ligne. Moi, je serais bien tentée par monter. Je sais pas pourquoi, mais... Parce que moi je papote là, mais il y a déjà une demi-heure. Hop. Le dernier. Hop, voilà. Ouais. En tout cas, j'espère que ça vous plaît toujours autant de voir l'avancée sur cette toile. Ah ben là j'avais encore une croix à faire. Entamer plus que encore
Faudrait peut-être que je l'avance et que je vous fasse photo sur le groupe. En avril, à peu près. Je ne sais pas. Et comme ça, on aura... Parce que moi, j'ai encore des petites choses à faire. On va partir ici. Bon, y a rien. Comme je vous dis souvent, j'ai des voisins qui sont très discrets. Du coup, elle n'aime pas trop. Fifi, c'est bon. Je sais pas pourquoi, mais aujourd'hui, j'ai énormément de mal à trouver mes trous. Alors, je sais pas si c'est pas un signe qu'aujourd'hui, le point de croix vaut mieux que je le mette de côté. Je ne sais pas. Et là, j'ai encore des croix en haut. On va s'arrêter là, les amis. Je pense que je vais monter. Ouais, je sais pas. J'aimerais bien. Je suis tentée par monter. Je vais juste faire les trois petites croix qui sont en haut là. Parce que trois croix après j'en vois plus donc ouais, j'en vois plus donc autant les faire direct. Et voilà. Donc là, je vais arrêter mon fil. Hop. Faut que je change d'aiguille parce qu'elle pique pas vraiment bien celle-là. C'est un embout rond. Je sais pas si vous allez voir. Vous voyez? C'est un embout rond. Et elle pique pas suffisamment.
Donc je vais changer d'aiguille, je pense. Donc je range mon fil et puis les amis, on va s'arrêter là. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!